Et salut dans une nouvelle vidéo. On va pas perdre de temps avec l'intro puisque là, alors on tourne à 18h30 et j'ai 3 vidéos à tourner, enfin 3 matchs à faire d'affilée. C'est-à-dire la vidéo d'aujourd'hui et les 2 matchs demain qui seront en duplex dans la même vidéo. À la même heure qu'aujourd'hui, 21h45 si vous voulez voir la vidéo. Ce sera Lille, Chelsea et Leipzig Lyon. Mais là ce soir c'est Galatasaray Paris Saint-Germain. Voici la composition d'équipe. Oh, il n'y a pas le monde d'entrée. On appelle ça une fausse joie. Ouais, bonjour à tous. Un match entre deux équipes qui veulent bien sûr prendre des points pour se mettre en concurrence. Allez. Allez, voilà, je récupère le ballon, la passe. On va essayer de jouer tranquille comme le PSG. Bon après, s'il y a une occasion de se projeter, on va se projeter. Genre là, avec Icardi sur le côté. Je vois pareil, je voyais passer le ballon sur terre avec les compos. Sympa FIFA. Pareil. C'est bien foutu. Si je fais pause, est-ce que ça enlève? C'est devenu un peu rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La prochaine fois, je laisse l'intro avec le compo, comme ça, ça enlève la petite bande en bas au début du match. Ouais, là, c'est du tout droit. Je presse. Ah, je pensais qu'il allait dégager en tout. Voilà, hop, sur le... Quoi faute? Quoi faute? Alors, est-ce qu'il va tenter sa chance? Parce que ça fait quand même super loin. Hein. Où c'est défié par le mur. Il cherche Di Maria. Il ne donnera pas grand chose. Il faut que je continue à presser quand même. On était en série. Ndongi. Allez, oui. Paolo Icardi. Oui, Jean Bernat. Oh, le centre peut-être. MVP en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain selon moi. Je parle réalité bien sûr. Je parle depuis qu'il est au PSG, pour moi c'est... Si Bernat n'avait pas été là par exemple l'année dernière en Ligue des Champions, il n'aurait pas passé les poules. Là on a encore vu son importance contre le Real, je parle toujours en vrai. De passe D, puis même dans le jeu. Gay. Ah j'ai tenté, j'ai... 35e déjà. Oui, au foot. Au foot. Voilà. On va laisser la dernière action, la première mi-temps. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Oh non, quand j'ai fait la page, je me dis bah non, c'est pas une bonne idée François, tu es stupide. Ne joue pas trop vite. Et là, tu vas te prendre un contre. Et s'il y a but, par contre, je rage quitte vraiment. S'il y a but, c'est la fin de la vidéo. Hein. Bon. C'est pas ce qu'on appelle une première mi-temps folichon. Mais il ne reste plus que le but sur engagement. Hein, à expérimenter. Oh non! Ballon à nouveau au profit de Galatasaray. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Alors on va faire tourner tranquille, pépouze. Il est à la récupération milieu de terrain. Bon, il faut bien dire que dans ces 45 premières minutes, il a été plutôt brillant. Mais pourquoi le gardien il n'est pas allé dessus? Et puis genre au dernier moment je sais c'est... Où elle est? Mbappé.
Le centre à destination du... La tête. Oui. Bon, Rui Cardi, son premier but en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Le PSG a bien placé pendant le parcours qui met le score. Là, faut que je joue tranquille, mais sans non plus jouer trop à la baballe, on risque quand même de perdre dans mon corps. Il ne faut pas que je me découvre trop. Il ne faut pas que je fasse des passes à la con comme ça aussi. Cardi, allez corner, c'est la 67ème, je veux déjà le jouer à deux. Oh, pire, je tourne la stratégie. Ouais, non. Marco Verratti. Et hop, nouveau corner, on l'a mis temps. Marco Verratti, là. Tu peux me la reprise. Eh ben non. Oh oui, ça c'est bien, récupérer les ballons tout de suite. Oh, le centre. Deuxième poteau. Non, non, non. Pour récupérer par Juan Bernat, ça c'est bien. J'ai voulu forcer, avec Bernat. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Oh oui, encore une bonne passe. Ah, la bonne qualité de ses passes. Aïe, 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 aïe. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Le public qui sent bien. Faut pas que je regarde le chrono en mode ouais, c'est bon, dans temps de temps c'est fini. Genre, du coup, je peux tenter ce ça. Non. Que je aille vers l'avant sans faire le con. Et ça, sans faire le con, c'est compliqué. Parce que faire le con, c'est la seule chose que je sais faire sur FIFA. Oh. Et faire des petites passes comme ça aussi. Mbappé. Ah si, je gagne du temps. Pourquoi j'ai tenté? Je le savais avant. Il y a 4 personnes dans mon cerveau, ils disent pas de me dire. Il y en a qui me disent passe, il y en a qui disent garde le ballon, il y en a qui me disent tire, il y en a qui disent mais pour... arrête de jouer à FIFA, t'es nul, pourquoi t'as précommandé FIFA 20? Oui, parce que moi je tourne, FIFA 20 est pas sorti, mais au moment où je sors la vidéo, FIFA 20 est sorti. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura tout. Ça, c'est les dernières vidéos sur FIFA 19 que vous voyez cette semaine. Le coup de sifflet final, c'est la fin de... Ah non, si, on a gagné, bien. J'avais oublié que j'avais marqué un but au début, je commençais à être déçu, ouais, 0-0, mais si, j'avais oublié. Ouais, c'était tellement tendu. Mais bon, c'est une victoire, et le plus important, c'est les 3 points. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis, salut à tous, bye.